Je m'appelle Chloé Paquet, j'ai commencé le tennis à l'âge de 4 ans. J'ai commencé à 9 ans à la Ligue des Yvelines et après donc, j'ai joué à chaque fois à la Ligue des Yvelines, je me suis entraînée là-bas. J'ai pris mon coach personnel à l'âge de 14 ans grâce à mes parents qui l'ont financé. J'ai été deux fois finaliste des championnats de France. Mon père était prof de tennis, il tenait un club à Fontenay-le-Fleury dans les Yvelines. J'ai vu mes sœurs débuter et tout de suite ça m'a passionnée, j'ai voulu faire comme elles, comme mon père et j'ai commencé le tennis et après c'est parti. Ce qui m'a plu c'est que déjà c'est un sport individuel, donc si on perd seul, on n'a pas... On est seul, donc voilà, et on gagne seul, donc c'est toujours une satisfaction. Non, j'ai progressé en fait un petit peu. J'étais pas dans les meilleurs toute petite. Je faisais les rassemblements de ligue, mais j'étais pas dans les meilleurs. J'étais troisième de ma ligue, dans les Yvelines. Et après, j'ai vraiment commencé à être dans les meilleurs à l'âge de 16 ans. Fort, j'ai un bon physique, je tape fort, donc je suis 1m78, donc ça aide un peu au service, en coup droit, et point faible, le mental. Je peux craquer, je suis un peu nerveuse, donc j'ai tendance à m'énerver aussi, mais par contre je lâche rien, donc ça aussi c'est un point positif et un point négatif. Que je travaille, ouais, j'ai essayé des sophrologues pour essayer de me calmer, des préparateurs mentaux aussi. Et bon, je progresse, mais c'est pas encore tip-top. J'adore me confronter, jouer de nouvelles joueuses. Donc là, je commence le circuit international. Donc je commence à jouer des joueuses étrangères, des autres... D'autres mentalités comme les Russes, les Américains qui sont pas du tout comme nous, qui se battent sur chaque balle et qui bronchent pas quand c'est dur. J'essaye de me détendre avant un match, j'essaye de parler à mon coach, j'essaye de pas rester seule, j'aime pas trop, mais je stresse, dès que je rentre sur le court, je stresse un petit peu, mais dès les premières balles après, ça va, j'y pense plus. C'est grâce à Marc Legris, qui est un agent de la FFT. Je cherchais un club pour faire les matchs par équipe. Avant, j'étais au tennis club du Grand Versailles. Et donc, maintenant, ça va faire 2 ans que je suis ici. On m'a présenté ce club, donc ça s'est tout de suite bien passé avec le président, le vice-président, et le capitaine et les autres filles de l'équipe. On a toujours envie de gagner, de créer l'exploit. Mais c'est sûr, de perdre, c'est pas toujours facile tous les week-ends. Mais on essaye, on se bat avec toutes les filles. Il y a une super ambiance, donc tout va bien quand même. J'avais parlé la dernière fois au président. Je lui ai dit que si je pouvais signer toute ma vie ici, je le ferais. Il y a une super ambiance, donc pourquoi pas. J'attends qu'il fasse le contrat. Les finales de championnat de France, c'était la première fois où je jouais avec vraiment beaucoup de monde. Je les ai perdues, donc ça reste quand même un souvenir négatif, mais aussi un souvenir positif, parce que c'est là que j'ai commencé à voir un peu où j'en étais, où j'en suis par rapport aux autres joueuses, et je voyais que j'étais vraiment dans les toutes meilleures, donc ça fait toujours plaisir.
J'ai passé mon bac S l'année dernière, je l'ai obtenu. Et maintenant, je me consacre qu'au tennis. Donc je me donne au moins 2 ans et après, on verra. Je me lève à 7h30, je commence les entraînements à 9h. 2 heures de physique, après 2 heures de tennis, je mange, 2 heures de physique, 2 heures de tennis, je remange, je dors. C'est dur, mais c'est sûr, on n'a pas le droit de sortir, on doit se coucher tôt. Bien sûr, on n'a pas le droit de boire de l'alcool, mais bon, c'est pas trop des contraintes en fait. Comme j'ai tellement envie de réussir que ça me pose aucun problème de faire tous ces efforts. J'adore Rafa Nadal, mais j'aime bien aussi Roger, j'aime les deux. Et chez les filles, j'aime bien Victoria Azarenka. J'aimerais être dans les 10 meilleures joueuses du monde. Et en tant que Française, Roland-Garros, c'est toujours un bel objectif de le gagner, pourquoi pas. Et après, bien sûr, Wimbledon aussi, parce que c'est le tennis, vraiment, c'est là-bas, quoi.